نحمده ونستعينه ونستعجله ونستغفره وعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سعيد اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. En ce qui concerne mon parcours, donc au lycée, moi j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, je me suis retourné vers des études d'histoire d'abord. J'ai fait presque deux ans d'histoire. Après la deuxième année d'histoire, je me suis réorienté en économie. Donc je suis passé, j'ai fait une licence, économie droit en fait, licence et maîtrise économie droit. Et ensuite j'ai terminé par un master en économie politique. Donc ça c'est pour ma formation. En ce qui concerne mes références théologiques, bon moi traditionnellement je suis issu d'une famille donc marocaine, donc qui dit marocaine dit tradition sunnite en Malik, général. Oui, du madhhab du même Malik, mais maintenant... ce qu'il faut dire, c'est que cette tendance au madhhab tend à décliner, alhamdoulilah. Et finalement, moi, je puise dans la tradition d'Ahl Sunnah wal Jama'a, en puisant dans ses références les plus anciennes. C'est-à-dire, si on commence par la traditionnelle époque des salafs, salaf salih, les trois premières générations, les grands imams reconnus de cette époque, et puis finalement, tous les grands autorités religieuses qui ont suivi ce minhaj. Qu'on appelle littéralement le minhaj et salaf salih, tout en évitant vraiment, mais ça c'est quelque chose de très important, le sectarisme. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une optique complètement sectaire, fermée, et ce n'est pas parce que sous prétexte qu'un savant ou un individu a eu quelques problèmes d'interprétation religieuse, peut-être que, admettons, je prends un exemple, qu'il ait des tendances ash'ari dans le ta'wil des asma wa sifat, ou bien qu'il ait une tendance soufisante, comme par exemple, je prends un exemple, l'imam Razali. Je reste pas trop, d'un point de vue sectaire, mais je reste toujours dans l'optique de voir qu'est-ce qu'ils ont apporté à Ahl Sunnah wal Jama'a en termes de science et de minhaj. Et jusqu'à l'époque contemporaine, hein, c'est-à-dire que là-dessus encore, je ne fais pas de sectarisme. Quelle que soit leur étiquette, hein, et ça je l'ai bien dit dans le livre, je ne suis pas un individu qui se fie aux étiquettes hein, qu'on donne ici et là. Moi, à partir du moment où je vois que les fondements ils sont d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui sont vérifiables, hein, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, la science, elle est très, très diffusée. Celui qui a un minimum d'esprit critique, un minimum de fondement, il sait quand il y a des grosses divergences qui nous obligent à écarter un individu, et il sait quand il y a des divergences qui font qu'on peut quand même accepter le bénéfice de sa science. Donc, ça, c'est pour mes références. Je peux le dire, j'ai été très tôt initié à une vision civilisationnelle de l'islam. Et par exemple, je sais qu'il y a certains individus qui seront peut-être un petit peu en désaccord avec ce que je dis, mais par exemple, moi, quelqu'un comme Saïd Qutb, rahimahullah, j'avais 15-14 ans quand j'ai commencé à lire certaines œuvres de Saïd Qutb. Ensuite, j'ai bien sûr évolué jusqu'à prendre toutes les références aujourd'hui de ce que j'appellerais le sunnisme orthodoxe contemporain. Partons de là, on était dans le minhaj, s'intéresser à l'aspect civilisationnel, au point d'arriver à faire un ouvrage et écrire un livre. Exactement. Comment moi, en fait, de par ma formation et de par mon intérêt, j'ai pas eu vocation à rentrer dans le ilm pur. Parce que je pense qu'il y a des personnalités qui sont beaucoup plus appropriées que moi pour en parler, que ce soit des savants, des talibs de l'ilm, ou même
C'est pas besoin d'être un talib ilm, mais des gens qui ont des facilités dans la science et l'apprentissage de la science purement théologique, purement ta'limi. Moi, j'ai plutôt, par ma formation, un intérêt de voir ce que j'appelle moi l'islam civilisationnel, c'est-à-dire l'islam en tant qu'une globalité. L'islam, c'est pas seulement l'ulum din shar'i, mais c'est aussi des sciences profanes et de manière générale ce qu'on appelle ilm al-waqi'. D'ailleurs, qui pour moi, c'est un des problèmes aujourd'hui de la communauté musulmane, non seulement en France, en Occident, mais dans le monde entier. Il y a une grande défaillance dans ce ilm al-waqi'. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'applicabilité de la théorie au niveau pratique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des problèmes. Soit on est trop dans le pragmatisme, c'est certaines tendances que je dénonce dans le livre, soit on est trop dans le waqi', sans le dogme, ou bien soit on est trop dans le dogme, mais sans avoir une connexion avec le waqi', c'est-à-dire en fait avoir le nez que dans les livres et ne plus comprendre la réalité contemporaine. Donc moi, c'est l'interprétation du monde moderne qui m'intéressait, mais une interprétation d'un point de vue islamique. Et concernant l'élaboration du livre, comment ça t'est venu? Bon, en fait, ce livre, si je peux dire, ça fait en fait 10 ans que ça mûrit dans ma tête. Hein. Bon, alhamdoulilah, j'étais un petit peu précoce dans la lecture. Hein. Je lisais énormément quand j'étais plus jeune. Ça, c'est grâce à ma mère, qu'Allah il la récompense. Donc, finalement, j'avais emmagasiné une masse de savoir et de culture, notamment en histoire, même si j'étais un grand, 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 grand amoureux de l'histoire. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est la porte par laquelle, entre guillemets, je suis entré dans l'islam. Parce que quand j'ai commencé à lire sur l'histoire de la civilisation islamique, c'est là que j'ai vu que vraiment l'islam, c'était pas une religion comme les autres. Une religion dans le sens, dans le terme de religion, dans le sens occidental. Non, l'islam, c'est pas une religion, c'est une civilisation. En arabe, on appelle ça la hadara. Donc, c'est vraiment l'aspect civilisationnel de l'islam. Et réduire l'islam à une religion, c'est-à-dire l'aspect culte, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je bois pas, je vole pas. Bah c'est ça, c'est une vision estropiée et amputée de la religion musulmane. Ensuite, l'actualité, depuis 2-3 ans en France, hein, ça m'a poussé énormément à réfléchir sur notre condition, nous, musulmans, ici, musulmans, nés en Occident, pratiquement coincés en Occident, parce qu'on a choisi d'être musulmans. Je veux dire, il y a des musulmans qui ont choisi de s'assimiler, donc ça, c'est leur choix, ils ont eu la liberté. Il y en a des prétendus musulmans, même qui ont choisi de devenir des athées, hein, ils le disent eux-mêmes. Donc, pour ceux d'entre nous qui ont choisi quand même toujours de tenir fermement cet héritage spirituel qu'est l'islam, je me suis dit, il y a un problème, et notamment en France. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, il y avait la loi de 2004 contre le hijab, donc ça c'était déjà une chose. Ensuite, il y a la loi contre le niqab l'année dernière, donc c'était une autre. Donc, tout ça m'a posé des questions. Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion sur le pourquoi de notre situation. Et à partir du moment qu'on arrive à analyser le pourquoi de notre situation, on sera capable d'apporter des réponses à notre avenir. Parce que si on ne comprend pas notre passé, on ne peut pas comprendre le présent. Si on ne comprend pas le présent, on ne comprendra jamais ce qui risque de nous arriver et les solutions qu'on peut donner aux problèmes qu'on subit actuellement. Parce que d'abord, il faut comprendre justement le waqi'. Notre waqi' aujourd'hui, notre époque contemporaine, il faut rechercher ses sources. Pourquoi? Et ça, c'est musulman ou non musulman. Là, vraiment, c'est d'un point de vue de la pure réflexion. Pourquoi notre époque, elle est telle qu'elle est aujourd'hui? Ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, notre contemporanéité. Et donc, je suis parti dans cette optique-là en recherchant les origines de notre temps aujourd'hui, de l'époque dans laquelle on vit. Donc ça, c'est vraiment c'est une démarche pluridisciplinaire. Hein. C'est de l'histoire, c'est de l'histoire des idées. Donc l'histoire des idées, qui dit l'histoire des idées, dit une certaine version de la philosophie. Alors je sais que ce terme peut faire bondir beaucoup de personnes. Mais la philosophie, c'est, dans le sens que je lui donne, moi, c'est une certaine évolution de la pensée, de la réflexion humaine par rapport à son environnement. Donc ça, c'est pour moi la définition de la philosophie. Je ne parle pas de la philosophie en tant que école, notamment celle d'école théorique avec je sais pas, pythagoriciens, platoniciens. Donc, finalement, c'est l'histoire là-dessus qui nous aide énormément. Et quand on regarde les origines de notre époque, on voit, et ça, beaucoup de musulmans ne le savent pas, et là, c'est un but du livre, c'est de leur expliquer que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a été bâti sur des fondements civilisationnels occidentaux et pré-chrétiens. Donc aujourd'hui, le monde, même la notion même de modernité, beaucoup de personnes, je l'explique dans le livre,
La modernité, pour beaucoup de musulmans, c'est iPhone et Internet. Alors que la modernité, c'est pas ça la modernité. Cette définition de la modernité, elle existe, c'est juste une évolution technologique, technique. Mais le cœur réel de la modernité, c'est pas ça. Le cœur réel de la modernité, c'est la sécularisation. C'est le rationalisme. C'est le pouvoir de la raison. C'est le matérialisme. C'est toutes ces idéologies. Et quand on regarde l'histoire de ces idéologies, on remarque qu'elles sont nées en Occident. On cherche à savoir pourquoi elles sont nées en Occident. On remarque que c'est parce qu'elles viennent du substrat chrétien. Et à cause de certaines contradictions du christianisme, qui ont fait que même occidental, à un moment donné, pour répondre à ces contradictions, a été obligé de s'affranchir d'un ancien cadre, du cadre religieux chrétien. Donc ça, c'était toute ma théorie. La défaillance, elle est née pour moi, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation de la réalité. Aujourd'hui, on est dans un monde occidental, qui est un monde qui est bâti par l'Occident, il faut dire ce qui est. Et ce monde, c'est un monde qui est sécularisé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un monde sécularisé? Ça veut dire que c'est un monde qui a réduit l'expression et la compréhension de la religion. C'est-à-dire qu'un musulman aujourd'hui, s'il veut se faire comprendre des non-musulmans, et notamment nous, les musulmans qui sont au cœur de l'Occident, c'est très très difficile de leur tenir un langage théologique, c'est-à-dire de leur parler de la foi, de la spiritualité, du Coran, de la Sunna, des hadiths, voilà, parce qu'ils ont été formatés, donc c'est le terme, à ne plus donner de pertinence à ce type de réponse. Un occidental moyen, si vous lui parlez de spiritualité, de foi, il vous regarde avec des gros yeux, la foi, il ne sait même pas ce que c'est la foi. Donc, alors, lui expliquer qu'est-ce que c'est l'islam, par exemple, en citant le Coran ou des références, des sources théologiques purement islamiques, ça peut produire aucun effet. Parce qu'on a en face de soi des individus qui ont été complètement épurés de la transcendance, de l'idée de foi, d'absolu, etc., etc. Donc, il faut leur tenir un langage qu'ils comprennent. D'accord ? En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de leur expliquer ce que dit l'islam, ou de défendre l'islam, mais en utilisant une langue qu'ils connaissent. D'accord ? Parce que défendre notre croyance en citant un verset du Coran, je pense qu'on l'a tous fait. On est en face d'individus qui, bon, bah, au pire des cas, ils nous respectent, avec ceux qui ont encore gardé des traces d'une réelle tolérance, ils nous respectent. Mais comprendre, ça, c'est autre chose. Ils risquent de ne pas nous comprendre. Donc, ce livre-là, en fait, il entre complètement dans cette dialectique, c'est-à-dire qu'on utilise un langage qui est rationnellement compréhensible pour expliquer, une, nos réponses, notre interprétation du monde dans lequel on vit, deux, les réponses aux agressions, il faut le dire tel quel, aux agressions idéologiques, politiques, sociales que les musulmans vivent en Occident. Et ça aussi, c'est dans le livre, je fais une très nette distinction entre la France et l'Occident. D'accord ? Parce que la France, c'est un Occident très très particulier. C'est pas une preuve de chauvinisme ou de nationalisme que je fais, mais c'est réel, hein, de dire que la France est un Occident très 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 particulier. Et je pense qu'au-delà de nos différences, on est tous capables de citer les énormes différences culturelles, sociales, politiques qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, la France et les États-Unis. Donc même si j'utilise le terme vulgarisateur d'Occident, dans mon livre, je fais toujours, et à chaque fois je reviens, sous différentes formes, sous différentes manières, sur la différence entre la France et le reste de l'Occident. Et comme je dis dans un petit jeu de mots, hein, la France est un Occident qui se veut plus Occident que les autres. Occident, c'est-à-dire ici dans le terme oxydé, dans la propriété, je dirais, physique, qui est beaucoup plus corrosif dans le terme. La France est un Occident beaucoup plus corrosif que les autres Occidents. Justement, c'est une théorie formalisée par différents auteurs, c'est que la France, en réalité, c'est le cœur de l'Occident. Et quand on dit le cœur, il y a une notion de pureté. Et derrière la notion de pureté, il y a aussi la notion de radicalité. Et les utopies françaises sont beaucoup plus radicales que l'utopie générale véhiculée par le monde occidental, et notamment avec la spécificité laïque qui est franco-française.
beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur le christianisme. En plus, là-dessus, hein, il faut dire ce qui est, j'invente rien du tout. Et d'ailleurs, ça a été tout l'esprit de mon livre, c'est de ne jamais m'avancer, moi. Moi, je ne m'avance pas parce qu'on pourrait facilement me dire sur quoi tu te bases. Donc, toute la logique du livre, c'est justement de reprendre certaines évidences qui ont été déjà établies par d'autres philosophes, d'autres historiens que moi. Moi, je ne fais absolument rien d'autre que d'imbriquer toutes ces analyses et toutes ces thèses. En fait, il y a beaucoup d'écrits sur le christianisme primitif, il y a beaucoup d'auteurs occidentaux qui ont très bien travaillé sur le fait qu'il y a eu d'énormes contradictions dans l'élaboration du christianisme officiel. C'est-à-dire, en gros, du passage entre, je dirais, un christianisme qui était encore rattaché à sa matrice juive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en réalité, pour nous musulmans, un message de Jésus qui est complètement cohérent à la tradition abrahamique, d'accord ? Et jusqu'à l'élaboration de la doctrine officielle chrétienne telle qu'on la connaît, avec le triomphe du christianisme lorsqu'il a converti l'Empire romain. Et finalement, ce que j'essaie de montrer, c'est toutes ces contradictions qui ont favorisé à un moment donné de l'histoire du christianisme son succès, parce qu'il fallait convertir des païens, et ça c'était la doctrine de Paul. Paul voulait apporter le message du christianisme vers des païens, alors que d'autres apôtres, en réalité Paul ce n'est pas un apôtre, mais bon, en réalité, d'autres apôtres ont très bien expliqué que le message de Jésus était exclusivement réservé à ceux qui avaient déjà reçu l'héritage abrahamique. D'accord ? Donc, en l'occurrence, ici, les Juifs. Moi, j'invente rien. J'ai cité Nietzsche, j'ai cité Ibn Taymiyyah. Nietzsche comme Ibn Taymiyyah ont très bien compris dans l'étude du christianisme que c'était Paul, en réalité, qui avait inventé, je dirais, le christianisme. Et Nietzsche a une formule très intéressante. Il dit que Paul, c'est le premier chrétien. Donc, en réalité, avant Paul, il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait des Juifs qui a été sensibilisé au message de Jésus. Donc, finalement, toutes les contradictions, toutes les nouveautés, et ce qu'on appellerait en arabe, dans un langage théologique, toutes les bid'a que Paul a apportées au christianisme, font qu'à un moment donné, ça a assuré son succès, mais à un moment donné, les contradictions, elles n'ont pas pu tenir. D'accord ? Et elles ont produit une série de révolutions idéologiques qui ont été à la base même de la fin du christianisme. Le dernier en date, le plus célèbre en France, c'est un Français, il s'appelle Marcel Gauchet. Donc sa thèse, c'était le christianisme et la religion, de la fin de la religion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le christianisme, en lui-même, justifiait le fait de ne plus être chrétien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les Occidentaux aujourd'hui ont été sécularisés, si en France, ils ont été laïcisés, si aujourd'hui, l'athéisme, le nihilisme triomphe en Occident, c'est pas parce que les Occidentaux se sont affranchis du christianisme par eux-mêmes, non. C'est parce que les Occidentaux ont suivi l'évolution programmée du christianisme. Le christianisme programmait sa propre fin. Et je prends un exemple, par exemple la laïcité. Selon l'interprétation qui en a été faite, d'après les paroles qu'aurait dit Jésus, donc cette parole, je me base sur le premier chapitre, je la décortique, en montrant que sur cette parole de Jésus, si il l'aurait dit, parce que bien sûr, nous musulmans, comme je leur explique la méthodologie de l'islam envers la Bible, c'est de se dire que tout ce que le Coran proclame de véridique, c'est véridique. Sur tout ce quoi on n'a pas eu d'information, on reste dans l'expectative. C'est-à-dire que ni on confirme, ni on dément. Mais quoi qu'il en soit, je prends cette parole de Jésus, je la décortique en disant que de toute façon, même s'il l'aurait dit, même s'il était prouvé et certifié que Jésus a dit, lorsqu'on lui a présenté cette pièce de monnaie en lui disant ce qui à César appartient à César, rendez à César ce qui appartient à César, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, même s'il l'aurait dit, on aurait pu en avoir une autre interprétation que celle qui a été faite et celle qui a été officialisée par l'évolution du christianisme. Donc, finalement, la laïcité, en gros, c'était une délimitation du religieux dans la sphère purement religieuse. C'est-à-dire qu'on a limité la religion, on lui a dit de ne pas intervenir dans le champ politique. Et donc ça, c'est déjà une preuve que c'est le christianisme lui-même qui se limite, d'accord, à travers ses propres sources. D'accord, c'est pour ça que je cite beaucoup d'historiens et de philosophes qui ont très bien expliqué ça, et qui ont montré que la sécularisation et la laïcité, et même l'athéisme ensuite, parce que le fait de devenir athée, c'est une évolution ultime du christianisme. D'ailleurs, l'idée d'athéisme n'a jamais existé dans l'esprit oriental. Je dirais ici l'esprit oriental, même dans l'esprit de la Jahiliya, que ce soit chez un poète de l'époque de la Jahiliya, que ce soit chez d'autres traditions, d'autres peuples, les Perses, les Araméens, toute cette civilisation pré-islamique, elle n'existe pas cette idée de l'athéisme. On peut être polythéiste, on peut être païen, on peut adorer les arbres, on peut adorer les sources d'eau, les pierres, etc. etc. Mais l'idée d'athéisme, en disant qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune idée de transcendance et d'absolu,
ça n'existe pas. Cette idée, elle est simplement apparue avec le christianisme, mais elle a été considérablement renforcée aujourd'hui avec le christianisme. Pourquoi ? Parce que, ça je l'explique encore, c'est une contradiction du christianisme. Si à partir du moment les chrétiens sont capables de croire que Dieu s'est incarné en homme et que cet homme est mort sur la croix, alors que ça veut dire que Dieu est mort sur la terre, et on peut facilement croire que Dieu en fait est mort sur la terre et au ciel. Donc l'idée d'athéisme, elle est ancrée dans le christianisme. Et ça je le démontre de manière logique. En fait, à deux niveaux. D'abord, si on voit la posture de certains milieux catholiques, d'accord, qui combattent une certaine laïcité dogmatique. Donc, ils combattent la laïcité dogmatique. Pourquoi ? Parce que la laïcité au 19e siècle, comme on le sait en France, elle a complètement réduit le catholicisme à plus rien. Mais ils ne le combattent pas de manière réelle. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire table rase du passé, c'est-à-dire de revenir sur toute la tradition, tout remettre en question et de revenir jusqu'à l'origine de la déviation qui est Paul. Donc pourquoi combattre cette laïcité dogmatique, entre guillemets, que certains même militants catholiques nomment une laïcité maçonnique, pourquoi la combattre si elle n'est en réalité que l'évolution suprême du catholicisme? Donc ça c'est déjà une contradiction. Le deuxième point, c'est de voir que justement certains politiques usent justement de la laïcité comme une espèce de synonyme pour catholicisme. Aujourd'hui, la laïcité, c'est la religion d'État de la République démocratique française. Donc, finalement, il y a une sorte d'inversion des tendances. C'est-à-dire, on ne parle plus de catholicisme ou de religion chrétienne, mais on parle de religion laïque. Et quand, par exemple, vous avez des auteurs, et je les ai cités, par exemple, Michel Onfray, qui a très bien compris que cette posture, elle était aussi une escroquerie, puisqu'en réalité, la laïcité, c'était une espèce de christianisme immanent. Donc, finalement, lorsque ces politiques, ils utilisent toute cette rhétorique là autour de la laïcité, c'est une sorte de nouveau, de néo-christianisme, d'accord ? Et de la même manière que les croisés chrétiens d'antan partant en croisade pour aller convertir les musulmans, aujourd'hui, de la même manière, ces hommes politiques veulent convertir les musulmans à la laïcité. Donc, c'est exactement le même principe. Juste, c'est les formes du langage qui ont changé. On ne dit plus catholicisme ou religion chrétienne, puisqu'elle a été sécularisée, mais on dit laïcité en France, la laïcité, c'est ce qui remplace le catholicisme d'État. Oui, en fait, elle est là l'escroquerie française, c'est que derrière sa prétendue modernité, derrière son prétendu masque de tolérance, on utilise toujours les mêmes idéaux, on a toujours les mêmes buts, on a toujours les mêmes volontés. Juste, on a modernisé le langage. Et d'ailleurs, j'utilise le terme exprès modernisé parce que c'est ça la modernité. La modernité, c'est, je dirais, de séculariser le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire séculariser le vocabulaire ? Ça veut dire de ne plus utiliser un vocabulaire purement religieux, mais un vocabulaire qui a été affranchi de la religion. Donc, l'assimilation, on peut la comprendre de la même manière, c'est de se convertir aux dogmes, aux religions officielles, aux dogmes officiels, aux utopies officielles tolérées par la démocratie française. En premier lieu, la religion laïcité. Je le dis encore une fois, c'est exactement les mêmes méthodes, c'est juste le vocabulaire qui a changé. Et ce vocabulaire, il a été modernisé, pourquoi ? Pour que nous, pas nous seulement les musulmans, mais tout le monde, hein, le français lambda, pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en face d'un langage religieux. En vérité, ce sont des religions, c'est ce que j'ai appelé, ce que d'ailleurs beaucoup d'historiens, de philosophes ont appelé les religions séculières. La démocratie, c'est une religion séculière, le communisme, c'est une religion séculière. Le socialisme, etc. Donc finalement, on veut toujours arriver à convertir des individus, qu'ils soient musulmans ou pas, à ces religions séculières. Là, en tout cas, c'est un travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes. À mon avis, moi, personnellement, en tant que musulman, mais pas seulement, si les chrétiens, de manière générale, que ce soit les catholiques ou les orthodoxes ou les protestants, s'ils ne reviennent pas aux déviations primitives du christianisme, toute leur interprétation, toutes leurs solutions seront vouées à l'échec.
partir du moment où ils comprendront pas, et ça c'est pratiquement dogmatique, hein, parce que là-dessus il faut carrément revenir sur la religion chrétienne. Et s'ils veulent pas revenir sur les déviations primitives du christianisme, comment se fait-il que le christianisme a adopté énormément d'éléments païens, énormément d'éléments issus c'est de... reconnu en plus, c'est oui, ça qui est ça c'est un problème qui est interne à eux. Tant à mon avis qu'ils ne voudront pas faire ce bilan, cet inventaire, de dire quel était le réel message de Jésus, de remettre le message de Jésus dans une tradition. Jésus n'a pas été envoyé ex nihilo à partir de rien. Non, il y a quelque chose qui l'a précédé avant. Et là, il faut qu'il réinterprète le message de Jésus à travers, je dirais, une tradition abrahamique. Donc, maintenant, leur combat contre l'Empire, tous ces chrétiens traditionnalistes, en France... D'ailleurs, en France, on les appelle souvent les désintégristes. Hein. Donc, c'est pour marquer que le système dominant, le clergé d'État, le nouveau clergé hein, de la laïcité dogmatique, utilise les mêmes armes contre ces mêmes ennemis. Aujourd'hui, les musulmans intégristes, extrémistes, il y a aussi des catholiques extrémistes, intégristes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour le système, en réalité, les catholiques intégristes ne représentent pas un danger. Donc, c'est pour ça que la stigmatisation, elle est derrière nous. C'est-à-dire que la stigmatisation contre les vrais chrétiens et les vrais catholiques, elle s'était faite au 19e siècle, au début du 20e. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il reste quelques milliers de catholiques anti-Vatican II en France qui ne représentent rien. Ils font partie du folklore national, je dirais, d'une espèce de subversion traditionnelle, tolérée et tolérable. Maintenant, le réel combat pour la France et pour l'Empire, de manière générale, que beaucoup appellent le nouvel ordre mondial, parce que beaucoup d'intellectuels occidentaux, français et catholiques ont très bien compris, comme Pierre Hilard, le véritable combat c'est contre l'islam, parce que l'islam c'est la véritable force symbolique qui reste encore à détruire. Et quand je dis symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre de l'islam, en réalité, l'ordre islamique, il règne nulle part. Donc ça c'est une évidence. Aujourd'hui, les petits islamophobes à la sauce TF1, c'est dans l'air, etc., etc., ils voient des états islamiques partout, il n'y en a nulle part. Donc en réalité, l'ordre islamique, il est que symbolique. Ça veut dire quoi symbolique? Ça veut dire qu'il est qu'inscrit dans la conscience des musulmans. Et c'est pour ça qu'encore, c'est un combat idéologique. Mmh. C'est-à-dire que dans les consciences musulmanes, il faut détruire la pertinence de l'islam civilisationnel, entre guillemets. Parce que l'islam, en tant que tel qu'il est véhiculé par les déviations soufis, c'est un islam qui est totalement assimilable au nouvel ordre mondial. Donc, maintenant, pour revenir sur ces catholiques français traditionnalistes qui combattent l'Empire, je pense ça sera assez paradoxal tant qu'ils ne feront vraiment pas le vrai bilan de qu'est-ce que c'est que le christianisme. Quel est le message de Jésus? Et ça, ces questions-là, très peu de chrétiens veulent se les poser. Je prends un exemple et je vais expliquer dans le livre. La réforme protestante. À l'origine, la réforme protestante, qu'est-ce que c'était? En gros, c'était une tradition pour revenir au vrai message originel de Jésus. Mais voilà, avec Luther en Allemagne, Calvin, Zwingli avant eux. Donc, et finalement, quand on regarde, leur projet de réforme, il a échoué, il a avorté. Ils n'ont pas voulu pousser cet esprit de réforme jusqu'au bout. Ils ont lutté contre les sacrements, des faux sacrements, ils ont lutté contre l'adoration de la Vierge et des saints, etc. Mais ils auraient dû aller beaucoup plus loin et comprendre qu'en réalité, qu'il y a énormément de choses. Sinon, tout le catholicisme romain, 80%, 90%, est basé sur des innovations qui sont largement imputables à Paul de Tarse. À la période de ce qu'on appelle le christianisme primitif, c'est une période qui était extrêmement riche en sectes et en interprétations du message de Jésus. Il y avait énormément de courants. Donc finalement, lorsque le christianisme a commencé à infiltrer les couches impériales du pouvoir politique à Rome, il a commencé à s'institutionnaliser. Et donc à partir du moment où on avait un empire, un empereur, il fallait avoir un seul dogme. Et donc, le dogme qui a été mis en avant, c'est le dogme qui finalement a commencé à diviniser Jésus contre toutes les autres tendances chrétiennes qui rejetaient cette divinisation d'un homme. Le concept de concile, si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est le concept de concile? Ce sont des évêques, tous les évêques de la chrétienté, qui se réunissent pour réfléchir sur la définition du dogme. Ça, c'est complètement incompréhensible en islam. C'est le dogme, il est donné une fois pour toutes. Il est complètement impensable de repenser à chaque siècle. Tiens, on va redéfinir le dogme. On va remettre en phase le dogme avec la réalité que les chrétiens vivent. De toute façon, le christianisme, à l'origine, ça a tout le temps été une mixture entre pragmatisme, dogmatisme, réalité, envie, passion, innovation, etc. C'est une espèce de bouillon de culture qui est largement identifiable pour n'importe quel esprit critique.
je pars d'un principe, c'est que l'islam en lui-même, c'est-à-dire dans ses sources authentiques, il n'y a aucun moyen de trouver un élément qui est capable de le séculariser, qui est capable de le laïciser. Donc tout individu qui énoncerait le contraire, il fait part de sa subjectivité, de son envie en réalité de séculariser l'islam. Mais finalement, quand on comprend qu'est-ce que c'est la sécularisation et son origine, ça ne veut pas dire que l'islam ne peut pas se séculariser par déviation. Parce qu'on remarque qu'il y a aujourd'hui des courants musulmans innovés, innovateurs, hérétiques, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, déviés, qui essayent de séculariser l'islam, pas à cause de ces déviations. Et pourquoi ? Ça, on revient toujours au postulat fondamental de ma thèse, c'est à partir du moment où on fait une déconnexion entre les œuvres, la loi et la foi, on commence à ouvrir une porte de Pandore. Et je prends un exemple, on énonce aux musulmans qu'avoir la foi en la loi, de manière générale, avoir la foi en la charia n'est pas important, et ben, c'est cette déviation-là qui est finalement capable de séculariser, qui est capable de séculariser pas l'islam, mais qui est capable de séculariser les musulmans par déviation. Et quand on regarde certains mouvements, notamment je prends l'exemple du soufisme, le soufisme combat, je dirais, une vision orthodoxe de l'islam. Mais qu'est-ce que c'est ici l'orthodoxie? C'est une orthodoxie liée à une orthopraxie, c'est-à-dire une bonne compréhension du dogme avec une bonne pratique. On voit bien que le soufisme, il accorde très très peu de place aux œuvres extérieures. C'est-à-dire que, je vais caricaturer, mais pour eux, en gros, la foi c'est dans le cœur. Donc, si la foi n'est que dans le cœur, on a comme ici une logique, de la même manière, une logique paulienne. Paul aussi, lorsqu'il a innové sur le christianisme, énonçait que la loi, la foi était spirituelle et que les œuvres n'étaient pas importantes dans le salut du chrétien. Donc de la même manière que cette déviation a pu séculariser et détruire finalement le christianisme, ces mêmes déviations, ces mêmes mécanismes peuvent essayer de séculariser l'islam. Et on voit bien d'ailleurs que, de manière générale, l'hétérodoxie soufie, l'innovation soufie, on voit bien qu'elle est soutenue par l'Empire. Qu'on regarde aujourd'hui l'islam tolérable, qui est véhiculé, qui est mis en avant en France par le système, on voit bien que c'est toujours un islam suffisant. D'accord ? Cette innovation peut exister aussi dans des mouvements qui peuvent paraître beaucoup plus conservateurs, traditionnels, orthodoxes et puritains. Et là, c'est beaucoup plus complexe un petit peu de le comprendre. J'en ai parlé, c'est un petit peu ce que j'ai énoncé. J'ai appelé ça le salafisme séculier. Il y a une certaine vision d'entre guillemets le salafisme qui finalement retombe sur les présupposés du soufisme par un long détour. Et là, c'est beaucoup plus complexe à comprendre, mais finalement, on arrive toujours à cette même déviation qui aboutit à une sécularisation de l'islam. Le soufisme, c'est une histoire d'une déviation. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Voilà, c'est une histoire d'une déviation multiséculaire. Finalement, le soufisme, puisqu'il s'est amputé de son aspect dogmatique, il est capable de prendre n'importe quel dogme à la place, puisque pour le soufi, seul compte la spiritualité. Donc, peu importe la temporalité dans laquelle on se trouve, peu importe qu'on se trouve dans un état démocratique, un état socialiste, un état même nazi, communiste, n'importe quel état qui accorde la liberté philosophique. Exactement. Pourquoi ? Parce que le soufisme, il s'est amputé de la temporalité de l'islam. Parce que le soufisme, il n'a pas une vision civilisationnelle de l'islam. Pour lui, la religion, c'est que spirituelle, c'est que philosophique. Donc, le soufisme, en fait, c'est une spiritualité, c'est une philosophie. Et là, comme n'importe quelle philosophie, elle est capable de s'adapter à n'importe quel ordre temporel. D'où pourquoi il est mis par l'Empire. Parce que l'Empire sait que le soufisme ne constitue pas et ne constituera jamais une menace. Parce que le soufisme maintenant c'est devenu évident pour un musulman, hein. J'ai un musulman qui est honnête avec sa foi, oui. Qui est sincère avec sa foi, c'est-à-dire qui sait ce qu'est un islam, l'islam authentique un minimum. Donc le soufisme ne constitue plus une menace pour lui. Donc il faut passer à l'étape supérieure. Cette étape ensuite c'était ce qu'on appelait justement le réformisme. Les réformistes, les premiers réformistes se sont dit bon voilà, il y a un retard, l'islam il y a un retard. Mais nous, on reste musulmans, on est profondément musulmans, mais on va essayer de régénérer l'islam, mais avec des outils occidentaux. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle la matrice réformiste, qui a eu son moment de gloire à un moment donné. Alors, pour simplifier, je pourrais dire que c'est en gros des années 20
jusque la fin des années 80. Est-ce qu'avec ce qu'on appelle de manière générale les frères musulmans représentent ouais, bien ça, je pense, ouais. Les frères musulmans représentent bien cette tendance. Au début, les frères musulmans historiques n'ont rien à voir avec les frères musulmans aujourd'hui. Si on prend par exemple Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, d'ailleurs lui-même il le dit à chaque fois dans ses interventions, il le dit qu'il n'a rien à voir avec son grand-père. Oui, il y a un grand fossé entre Hassan al-Banna rahimahullah et Tariq Ramadan. Mais ça ne veut pas dire que Hassan al-Banna n'était pas exempt d'erreur, puisque sa méthodologie consistait de toute façon à réformer l'islam dans une optique qui est certes civilisationnelle, et ça on peut être d'accord avec lui, mais selon toujours une espèce d'occidentalocentrisme. Ça veut dire, l'exemple le plus atypique, c'est par exemple l'utilisation de Shura pour démocratie. Et ça, ça montre bien qu'il y a une espèce d'occidentalocentrisme inconscient intériorisé. Ça veut dire que la norme, c'est l'Occident. Le juste, c'est l'Occident. Le bien, c'est l'Occident. La modernité, c'est l'Occident. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que musulman? J'essaie de regarder dans ma tradition musulmane qu'est-ce qui se rapproche de concepts occidentaux. Tiens, la démocratie, aujourd'hui, c'est la norme. Ben, je vais regarder dans les sciences théologiques, dans l'islam, dans les sources de l'islam, qu'est-ce qui se rapproche. Tiens, la shura, tiens, ça me paraît proche du concept de démocratie. Donc, on parle de shura pour l'assimiler à la démocratie. En réalité, on détruit la shura et on met en avant la démocratie. Et finalement, aujourd'hui, ce réformisme est en perte de vitesse, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a une réislamisation puritaine orthodoxe. On peut la prendre en exemple avec la montée de ce qu'on appelle le salafisme. Le salafisme, c'est encore une troisième lecture puritaine, beaucoup plus orthodoxe, beaucoup plus rigide pour pallier aux défaillances. Bon, le soufisme, il est clair et évident que le soufisme était voué à disparaître. Le réformisme, il a été avorté, le projet réformiste a été avorté parce que il y a eu, je dirais, trop de pragmatisme à tuer. Ils se sont trop noyés dans le pragmatisme et ça a tué le dogme. Donc finalement, la troisième et dernière tentative, c'est cette réislamisation apolitique qu'on appelle salafi, le salafisme de manière générale. Mais même le salafisme, à cause de certaines, et ça, là je parle de certains types de salafisme, parce que moi je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a certains types de salafisme qui se sont sabordés eux-mêmes. C'est-à-dire que si on prend les premiers discours des premières grandes autorités salafis, ils ont une vision civilisationnelle de l'islam. Mais à cause de certaines de leurs contradictions, ils ont finalement mis en avant certains points, certaines ambiguïtés dogmatiques qui finalement reviennent à abandonner le projet civilisationnel de l'islam. D'accord ? Et notamment, c'est la compromission d'un certain type de salafisme avec les pouvoirs politiques arabes. Et là-dessus, il est clair et évident. Il est clair et évident aujourd'hui que la majeure partie des États arabes, l'extrême majorité, tous sont intégrés à une vision du monde qui a été occidentalisée, la modernité. Tous ont un langage sécularisé. Tous, d'une manière ou d'une autre, font l'apologie de concepts et de notions occidentales. La démocratie, les droits de l'homme. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas de droits de l'homme dans l'islam, mais les droits de l'homme dans l'islam, c'est quelque chose de très particulier. Il ne peut pas y avoir des droits de la créature sans les droits du créateur. Donc ça, c'est toute une autre vision. Mais quoi qu'il en soit, ce salafisme, par volonté de ne pas entrer en conflit avec les autorités de l'État, en sont venus aux mêmes déviations que le clergé catholique français pendant l'Ancien Régime. C'est-à-dire que le clergé catholique français, ce qu'on appelle le gallicanisme, non seulement se voulait l'héritier de la tradition catholique réelle, mais était complètement soumis au pouvoir royal. Et finalement, plus il se soumettait au pouvoir royal, moins il donnait de l'importance au pouvoir de Dieu. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la sécularisation en réalité. C'est que les pouvoirs politiques prédominent sur les autorités religieuses. Mais ça, c'est purement occidental. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà deux entités. Une religieuse et une politique, purement politique. Or, cette distinction-là, elle n'existe pas en islam. Les savants dans l'islam, les ulama, ce n'est pas un clergé. Et de la même manière que le savant peut parler de politique, de la même manière que dans la théorie orthodoxe musulmane, le calife peut avoir un pouvoir de ce qu'on appelle d'ijtihad. Les ulama ont reconnu que le calife, le détenteur de l'autorité politique, peut avoir un devoir d'ijtihad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de division entre d'un côté le domaine politique et d'un côté le domaine religieux. Mais aujourd'hui, dans le monde arabe, cette division, elle existe, cette division. La preuve, on voit bien que dans n'importe quel pays, les autorités religieuses sont soumises aux autorités politiques. Et ces autorités religieuses, le plus gravissime, c'est qu'ils interprètent cette soumission
par des interprétations déviées de certains points de la religion musulmane, notamment l'obéissance à l'autorité légitime. Puisqu'à partir du moment où les autorités religieuses reconnaissent l'autorité séculière, l'autorité de l'État, c'est qu'ils ont eux-mêmes intériorisé cette division en disant que nous, nous ne sommes que des religieux, nous ne sommes que des imams, nous ne sommes que des muftis, on va s'occuper que de l'aspect purement spirituel, purement culturel de l'islam. Ça a été flagrant chez les soufis, mais maintenant ça commence à être flagrant chez certaines tendances qui se veulent orthodoxes, ultra-orthodoxes et puritaines de l'islam. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Oui, en fait, c'est dire que de plus en plus d'Occidentaux commencent à ressentir en eux-mêmes l'impertinence du système dans lequel ils vivent. Tout à l'inverse des musulmans qui, eux, sont la cible de ce système démocrate. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, ça fait 2 siècles qu'ils vivent sous ce système. Or, si on regarde bien l'évolution de l'histoire occidentale, on remarque que ce qui arrive aujourd'hui à la démocratie, c'est la même chose qui est arrivée à l'époque chrétienne. C'est-à-dire que le christianisme est mort. Pourquoi ? Parce que ses rites n'étaient plus appliqués. Et puis il y avait une perte de pertinence en la croyance catholique, chrétienne. C'est finalement, aujourd'hui, ça fait 2 siècles que la démocratie a triomphé, a vaincu l'ordre ancien, ce qu'on appelle l'ancien régime, justement. Ben, finalement, aujourd'hui, les Occidentaux, de plus en plus, n'ont plus d'horizon philosophique. Ça veut dire qu'après la démocratie, d'ailleurs c'est le titre d'un livre intéressant d'Emmanuel Todd, Après la démocratie. Et donc ça montre toutes ces questions de se dire, ben, après la démocratie, il y a quoi ? Et finalement, il n'y a plus rien. Soit on sombre dans un hédonisme, et ça c'est la théorie de Onfray, exactement, et donc dans le pur consumérisme, dans le pur hédonisme, pur matérialisme athée, hein, qui ne propose rien d'autre que la vie présente et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, le musulman, lui, c'est encore une terre vierge à conquérir. C'est encore des esprits vierges à conquérir. Ça veut dire que la démocratie, en réalité, pour se survivre à elle-même, elle est toujours obligée de conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux esprits, de nouveaux esprits à convaincre et à lui inculquer sa légitimité. Or, aujourd'hui, les Occidentaux, certains Occidentaux, sont les citoyens les plus, ce que j'appelle, post-démocratiques. C'est-à-dire que maintenant, la démocratie, c'est comme une espèce d'effet de... Je veux dire, je suis blasé, quoi. Maintenant, je m'en fiche, démocratie ou pas, élection ou pas, vote ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est mon moi personnel, et puis c'est tout. Donc, concrètement, le musulman, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, il représente ce terrain vierge de la démocratie avec lequel elle est capable de se régénérer. C'est-à-dire que les musulmans, pourquoi ? Ce sont des êtres nouveaux qui ne connaissent pas la réalité de l'utopie démocrate, qui ne connaissent pas la réalité du système démocrate, qui sont encore omnibulés par des slogans, par une vision totalement, des symboles, par une vision totalement biaisée. Je veux dire, dans le monde entier, dans le monde non occidental, la démocratie pratiquement rime avec bonheur. Donc on comprend bien qu'avec des types d'égalité comme ça, que tout est biaisé et que en réalité, la démocratie doit constamment chercher ces nouveaux terrains vierges pour se perpétuer. Parce qu'à partir du moment où elle a fini sa révolution progressiste au fond de l'homme, elle n'a plus rien à proposer à l'homme. Et l'homme, soit sombre dans le nihilisme athée, soit dans l'hédonisme, soit dans d'autres formes d'adoration, beaucoup moins utopiques que la démocratie. Et quel type de symbole vous pouvez donner en exemple ? Moi, par exemple, je vois comme symbole des gens comme Fadela Amara, ou comme Ramayad, ou comme Rachida Dati, pour moi, qui sont les symboles de la démocratie, pour se régénérer à chaque fois, pour faire vivre les gens. On pourrait le lier avec un autre problème, c'est toujours la même politique colonialiste. Et notamment, j'ai énormément travaillé dans le livre sur l'histoire algérienne. Pourquoi ? Parce que l'histoire algérienne, c'est une histoire qui est fondamentale pour comprendre ce que le système en fait souhaite pour ces musulmans. Comment le système s'y prend pour contrôler, pour manipuler, pour dévoyer l'islam et les musulmans. Donc celui qui lit l'histoire coloniale algérienne
il n'aura même pas l'impression de lire un livre d'histoire. Il aura l'impression de lire un livre contemporain qui parle des musulmans actuels en France. C'est exactement les mêmes politiques coloniales qui ont été utilisées en Algérie. En Algérie, tout spécialement, je ne parle pas du Maroc ou de la Tunisie, parce que le Maroc et la Tunisie, c'était des protectorats, en plus, qui ont été relativement courts. Ouais. Là, l'Algérie, c'est une colonisation qui a duré depuis 1830 jusqu'en 1960, donc 135 ans de colonisation pure et dure, et on voit bien les mécanismes, notamment français ici, je ne parle même pas d'occidental, les mécanismes occidentaux, pour certains pseudo-intellectuels comme Zemmour, eux, ils ne se cachent pas, ils veulent l'assimilation, point final. Mais aujourd'hui, cette vision de l'assimilation, elle est très... très subversive, et ils savent très bien que cette version-là ne marchera plus. C'était la version du 19e siècle, aujourd'hui on est au 21e siècle. Changer les mots. Voilà. Donc il faut changer les mots, il faut changer les systèmes, mais finalement, on a toujours les mêmes procédés. On utilise intégration pour dire assimilation, mais finalement, on demande exactement la même destruction culturelle et identitaire des musulmans. Et là, Fadel Amara et tous ces bénévoles de service, ils rentrent dans ce cadre-là plutôt. Mais moi, je parlais plutôt de la démocratie. Dans le sens que on veut leur faire croire que la démocratie, c'est quelque chose qui n'implique rien d'autre que une simple adhésion verbale. Non, comme je l'ai expliqué de manière très longue, la démocratie, c'est une religion. Et le vote, c'est un rite de la religion démocratie. Et finalement, et c'est très subversif ce que je vais dire, mais la meilleure façon de lutter contre ce système, voilà, c'est de ne pas voter encore. C'est même pas qu'ils ont compris. Peut-être que les Français qui ne votent pas, ils n'ont même pas compris. Ils sont blasés. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont été blasés. Ils sont rentrés dans la post-démocratie. Alors que les musulmans encore ici, ils sont encore à l'ère démocratique. Et notamment les musulmans dans le tiers-monde, ils sont encore à l'ère démocratique. Ils croient encore à l'utopie démocratie. Alors que les citoyens occidentaux, les plus avant-gardistes, eux, ils sont passés à la post-démocratie. C'est-à-dire que soit ils ne le savent, soit ils ne le savent pas, mais en tout cas, ils sont passés à autre chose. Or, la démocratie, elle a envie encore d'être l'idéologie impériale du temps. Donc, elle est obligée d'essayer de fortifier son utopie vers des populations qui n'ont pas été d'origine démocratique. Alors, c'est bizarre de dire population d'origine démocratique, puisque la démocratie, ce n'est pas une origine. Mais quand je dis d'origine démocratique, ça veut dire d'origine occidentale, chrétienne, post-chrétienne. Puisque, comme j'ai démontré, la démocratie, c'est une fille du christianisme. C'est une idéologie qui est devenue religion et qui est issue du christianisme. Pour le comprendre, malgré le fait que Demos Kratos, c'est une idée grecque et que les Grecs n'étaient pas chrétiens. Mais la démocratie athénienne n'a rien à voir avec notre démocratie. C'est une démocratie qui était raciste, qui était misogyne, qui était oligarchique. Donc, même si les Grecs ont inventé le terme Demos Kratos, c'est le christianisme qui a donné la réalité, qui a donné la puissance philosophique à ce terme démocratie. C'est pas les Grecs. Les Grecs ont fait qu'inventer un outil, mais l'outil, il a pris toute sa force avec le christianisme, avec notamment l'idéologie de l'homme dans le christianisme. Vraiment Platon, qui est le philosophe qui avait cerné les défaillances, les contradictions de la démocratie, qui sont totalement contemporaines. Quand il énonce que la démocratie, c'est le triomphe des faibles. Tu peux nous parler. Voilà, voilà, c'est le triomphe des faibles. C'est exactement ce que disait Nietzsche en plein 19e siècle. C'est aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit avec ce qu'on appelle le système d'égalitarisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la démocratie, elle ne peut pas rendre égaux les hommes. Donc finalement, elle les rend égaux en les nivelant par le bas. C'est-à-dire que c'est plus facile de rabaisser les hommes à un niveau le plus inférieur que de les élever. Et donc, c'est ça la démocratie en réalité. Là-dessus, je cite énormément de penseurs occidentaux comme Tocqueville, Hayek, mais aussi Rousseau, Montesquieu et d'autres, qui montrent que finalement, ils n'étaient pas aussi démocrates qu'on veut nous faire croire. Le vote, c'est une opération toute simple, ça vise à donner de la légitimité à ceux qui nous gouvernent. Parce que la démocratie, en tant qu'utopie, elle veut quand même s'assurer les moyens de garder un minimum de pertinence. D'accord ? Donc, c'est facile de dire que la démocratie, elle a tourné à l'oligarchie. Mais quand même, ceux qui nous gouvernent, le clergé et le démocrate, ils cherchent toujours à nous inculquer cette légitimation. Et le vote, ça veut dire qu'on peut être contestataire tant qu'on veut.
À partir du moment où on vote, on s'en fiche. Et ça, on comprend bien qu'est-ce que c'est la religion démocratie, on remarque que en fait, c'est une espèce d'anesthésie de vote, c'est une espèce d'opération anesthésique qui en réalité, si on veut contester, il n'y a pas meilleur moyen de contester que l'abstention. J'ai cité certains penseurs, notamment les anarchistes du 19e siècle, qui avaient très bien compris, comme Élisée Reclus, qui ont expliqué que le fait de voter, c'était de légitimer le système et que finalement, on ne contestait rien puisqu'on participait au jeu. Et puisque finalement, le jeu est légitime pour nous si on vote. Et de toute façon, on le remarque très bien à chaque messe électorale. Regardez le clergé de la démocratie, la première chose qu'il regarde, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde le taux d'abstention. C'est ça qu'il regarde. Il s'en fiche. Il s'en fiche d'extrême droite. On peut voter à l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ça, c'est du bipo. La seule chose qu'il regarde, c'est le taux d'abstention. Est-ce qu'il était faible ? Donc c'est bon. Ou est-ce qu'il est fort ? Et s'il est fort, oh là là, là c'est problématique. Non, c'est le système tout en lui-même qui est totalement remis en cause. Parce que si on conteste, on peut contester, on dit « Oh, je vote contestataire, mais je vote FN », mais finalement on a voté, on a participé au jeu démocratique, et bien finalement on perd, on gagne. Donc là, on reconnaît la validité des règles du jeu. Mais si on commence à dire « Je vote pas », c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire non seulement je joue pas au jeu, mais vos règles, je ne les considère pas comme légitimes. Et ça, la contestation, c'est le moyen le plus puissant en Occident, le moyen, je dirais, civil, hein, sans verser à l'insurrection, hein. Certains utopistes de l'extrême gauche qui attendent une révolution armée en France et ailleurs, donc ça, là-dessus, c'est même pas la peine. Je veux dire, la plus grande des révolutions, c'est qu'il suffit de pas aller voter. Et puis, finalement, si cela se diffuse au sein des citoyens, bah, finalement, le système, il va mourir. C'est clair et c'est net. Et là, ils seront obligés de changer le système. Alors nous, en tant que musulmans, ça a une double pertinence de pas voter. Parce que quand on regarde les thèmes qui nous touchent, soit autour des thèmes de l'intégration, l'islamophobie, la stigmatisation constante, institutionnalisée depuis 10 ans en France, l'islamophobie est complètement institutionnalisée. Ça veut dire quoi ? Il y a des actes légiférés, toujours avec des espèces d'euphémismes dans ces lois qui sont rédigées pour ne pas stigmatiser l'islam. Parce que, bien entendu, on parle de laïcité. C'est la référence à la religion. On parle d'ordre public, etc., etc. Mais on sait très bien que la loi, c'est pas contre la loi contre les signes religieux, on sait très bien que c'est la loi contre le hijab. Et la loi contre le niqab, c'est clair, mais c'est pas contre les individus qui se masquent le visage ou je le sais, c'est la loi contre le niqab. Au final, ça là-dessus, rien qu'en le disant, j'horrifie. Je sais que certains membres du clergé sont horrifiés d'entendre rien que cette parole, parce qu'ils disent « mais non, c'est pas ça, mais non, c'est la laïcité ». Mais ils veulent pas que les musulmans comprennent la réalité des politiques qui sont mises en place. Donc, le musulman, quand il voit ça, quand il voit qu'autour de ces thèmes-là, de toute façon, droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, tout le monde, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. C'est clair et c'est net. Surtout la gauche. L'islam, il pose un problème. Oui, la gauche traditionnellement, parce que la gauche, elle est anticléricale de manière traditionnelle, elle est laïque de manière traditionnelle, elle est maçonnique de manière traditionnelle. Encore plus que la droite. Donc, encore plus que la droite. Mais alors, le grand drame de la France, c'est que la droite, aujourd'hui, elle a été complètement gauchisée. Donc, on essaie de nous faire croire qu'il y a une droitisation de la gauche. En réalité, non. Les thèmes de la laïcité, par exemple, si vous prenez Marine Le Pen qui parle de la laïcité, un bon français traditionnellement de droite qui entend un leader d'extrême droite parler de la laïcité, c'est une trahison. Parce qu'en réalité, traditionnellement, les courants d'extrême droite sont conservateurs. Et qui dit conservateurs, ils sont anti-progressistes. Et la laïcité, c'est le summum du progressisme en Occident. De manière générale, ils ont toujours été plus conservateurs. C'est-à-dire que le conservatisme en France, de toute façon, traditionnellement, l'extrême droite, elle a été toujours divisée parce que les bonapartistes, les royalistes, les royalistes eux-mêmes, ils sont divisés en différentes tendances. Tout ce qui unifie ce mouvement d'extrême droite, et dont Jean-Marie Le Pen avait fait la synthèse, et ça, c'était la force du Front National, c'est qu'il avait réussi à fédéraliser tout ce milieu-là. Et finalement, aujourd'hui, qu'on voit Marine Le Pen utiliser des thèmes de gauche, comme la laïcité, comme l'application de la loi, etc. Donc, on voit bien que de toute façon, les musulmans n'ont plus aucun horizon politicien, je dirais. Pour qui voter ? On ne peut pas en vouloir à un occidental de penser occidental. Parce que ça, c'est le fondement de l'Occident, la sécularisation. Donc même
s'ils luttent contre une déviance des idéologies occidentales, par exemple le mondialisme tel qu'il est véhiculé aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, et ça j'en parle aussi dans le livre, la mondialisation, c'est aussi un terme biaisé, trompeur. Parce que la mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'occidentalisation, en réalité. Donc ces gens, oui, ils peuvent lutter contre des formes de mondialisation qui finalement se retournent contre eux. C'est exactement la même manière que ces catholiques qui luttent contre la laïcité, contre certaines visions de la laïcité, mais sans faire le ménage de l'idée laïque qui était à l'intérieur du catholicisme. Donc c'est exactement la même chose. Donc ils peuvent lutter contre le mondialisme, la mondialisation, l'occidentalisation, mais il faut qu'ils comprennent que ça, la mondialisation, l'occidentalisation du monde, etc., et notamment avec la mondialisation marchande et tous ses effets pervers, c'est issu de l'Occident. C'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est pas l'islam. Donc, et là, il faut qu'ils fassent un réel inventaire de qu'est-ce qui ne va pas dans leur substrat idéologique, philosophique, historique, qui fait qu'on arrive à des déviations qui se retournent même contre eux. Aujourd'hui, c'est exactement comme certains milieux catholiques qui, par islamophobie, s'allient avec les partisans de la laïcité dogmatique totalitaire que je dis dans le livre. On va dire, la posture de Alain Soral, elle est plus ou moins logique ici, rapidement. C'est-à-dire que pourquoi vous balancez votre haine, vous vomissez votre haine contre l'islam ? C'est pas l'islam, c'est pas les musulmans qui ont détruit le catholicisme. C'est pas à cause de l'islam et des musulmans que vos églises elles sont vides et qu'il y a une perte de valeur, etc., etc. Non, c'est pas à cause de l'islam. Donc, faites le ménage chez vous, de manière idéologique, de manière réfléchie, intègre. Regardez les incohérences qui ont abouti à la situation actuelle dans laquelle on est tous dedans. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Et ensuite, soyez clairs et intelligents. Parce que on peut lutter contre le mondialisme et la mondialisation, mais finalement, on ne lutte pas contre les causes qui ont amené à la mondialisation. Ben, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien du tout. De manière générale, l'Occident, c'est un ensemble d'États-nations d'ailleurs. C'est très intéressant de constater que le concept d'État-nation, il n'existe pas dans les pays musulmans. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est très important. Dans leur vision à eux, c'est plutôt logique, on va dire, d'accord, de se réfugier derrière la nation. Puisque ça, c'est une réalité historique. La nation française, c'est une réalité historique. La nation, anglaise, c'est une réalité historique. Alors, l'Italie, l'Allemagne, c'est des nations qui sont très récentes, puisqu'elles ont été formées au XIXe siècle. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est une nation, et c'est vrai, c'est une nation depuis 2000 ans, depuis le baptême de Clovis, on va dire qu'il y a une entité politique qui a été formalisée dans l'ancien territoire de la Gaule, qui est devenue la France. Maintenant, cette idéologie nationaliste par rapport à ces musulmans, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose finalement exactement toujours la même chose. Ça veut dire qu'elle nous dit, de toute façon, de se nationaliser et de prendre pour idole, là je l'utilise bien le terme, pour prendre idole la patrie. Alors qu'on ne peut pas prendre d'idole, on ne peut pas être nationaliste. La question de nationalisme en islam, elle est extrêmement claire. On ne peut pas être nationaliste français, on ne peut pas être nationaliste algérien, on ne peut pas être nationaliste, quelle que soit l'idée de nation. Pourquoi ? Parce que l'État-nation, l'idée de l'État-nation dans l'islam, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant être nationaliste pour Soral ? Ça veut dire, est-ce que je dois mettre la nation française au-dessus de tout ? Je ne la mettrai jamais au-dessus de tout. De la même manière que moi, d'origine marocaine, je ne mettrai jamais la nation marocaine au-dessus de tout. Donc là-dessus, il y a une limite qui est infranchissable. Dogmatiquement, c'est impossible. Maintenant, s'il veut dire par là autre chose, alors oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ça veut dire de respecter la légalité en France ? Ben finalement, 90% des musulmans, ils sont obligés de respecter la légalité. Parce que c'est clair, si on ne respecte pas la légalité française, on va en subir les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'il veut d'autre ? Quel autre contrat social veut-il nous faire signer ? Il faut qu'il y ait quand même un cahier des charges qui soit respectable par les uns et les autres. D'accord ? Et être nationaliste français en musulman, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, de la même manière, il ne peut pas être nationaliste algérien. Il ne peut pas être nationaliste, je ne sais pas moi, afghan ou pakistanais. Donc là-dessus, ce langage-là, le nationalisme, inaudible. Pour un musulman, je ne parle pas pour un maghrébin, parce que là aussi, il y a une confusion entre le français d'origine maghrébine et le français musulman. Moi, quand je parle de musulman, c'est que dogmatiquement, il y a un minimum, il y a un statut derrière, il y a un statut, voilà, il y a un statut légal de musulman. Et malheureusement, dans le langage vulgarisateur en France,
musulman, c'est tout maghrébin est musulman, etc., etc. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a des Gaulois, purement Gaulois, qui sont plus musulmans que des Arabes ou des Africains, je sais pas, du Mali ou du Sénégal. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par nationalisme ? Le nationalisme, pour nous, c'est une religion. De la même manière que la démocratie, de la même manière que le communisme. On ne peut pas être de religion nationaliste. Ce sont des idéologies. Voilà, ce sont des idéologies, ce sont des néo-religions séculières. Encore une fois, Nietzsche disait que la nation, c'était une idole de substitution au christianisme. Les Occidentaux ne croyant plus en rien, il leur faut toujours quelque chose à croire. Quelque chose qu'ils substituent au Christ, à la croix, à l'Église, ou je ne sais pas quoi. Et avec le phénomène de sécularisation, c'est la nation. Aujourd'hui, on parle de la nation comme je ne sais pas quoi, on est capable de mourir par la nation, on aime et on haït par la nation. Comme David. Ouais, on aime. Et justement, si on aimait et haïr par rapport à un concept, ça rejoint ce qu'on appelle dans l'islam el wala wal bara. Donc ici, il y a el wala wal bara par rapport à la nation. On aime quelqu'un parce qu'il est français, on a de la xénophobie envers quelqu'un parce qu'il n'est pas français. Même si c'est pas explicite. Voilà, même si c'est pas explicite. C'est toujours ça. En islam, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas. Il y a une fraternité de religion. Et ensuite, il y a les non-musulmans avec lesquels on peut avoir diverses relations. Mais haïr ou aimer, ça je parle dans les formes les plus extrêmes du nationalisme, parce que je suis sûr que Soral il va me dire c'est pas ça le nationalisme. Son nationalisme, il est patriotique. Mais il y a aussi la patrie. Qu'est-ce que c'est la patrie pour un musulman? Qu'est-ce que c'est la patrie? La patrie, c'est un concept. Tous ces concepts-là et toutes ces idées, il faut bien comprendre, il faut bien un jour le dire de manière extrêmement claire, ce sont des concepts idéo-philosophiques qui sont issus de l'héritage occidental et qui, pour un musulman qui a décidé d'être musulman fondamentalement, c'est complètement inaudible et incompréhensible. Nationaliste, patrie, etc., etc., ça veut rien dire du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Là, voilà, c'est ça la question que tout le monde se pose. Là, pour l'instant, il y a des musulmans qui sont en France, en Occident. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on vit? Est-ce que sous prétexte qu'on est en France et qu'en Occident, on est obligé de se couper de notre identité culturelle, de l'assimilation? Ou bien est-ce que l'autre extrême, ce serait de se dire, bah tiens, on est musulman, bah on va islamiser la France? Donc il y a toujours, c'est toujours un langage binaire. La question à se poser, c'est, voilà, je suis comme ça, j'ai décidé d'être comme ça, mais comment je fais pour vivre pour l'instant? En France, c'est là la question fondamentale, la question que tout le monde utilise, hein, le vivre ensemble, on entend partout, mais certains nous apportent toujours des solutions. Vivre ensemble selon ce qu'on selon moi. Voilà. Communautariser, c'est bon. Communautariser en France, le terme communautaire, c'est un terme presque banni du vocabulaire politique et social, ouais, du langage conformiste. De prôner une attitude communautaire, c'est pratiquement être un hérétique aux yeux de la nation française. Mais finalement, bon, si on réfléchit au terme purement franco-français, et là j'ai cité un auteur qui était intéressant, c'était Jacques Ellul, qui est un chrétien, fondamentalement chrétien, hein, et qui était extrêmement contestataire de la société française démocratique. Donc Jacques Ellul, c'est un Français, donc il est mort au début des années 90, c'est un des intellectuels français les plus lus aux États-Unis, et il est pratiquement inconnu en France. Et donc lui, il propose une solution qui est totalement possible d'adopter pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que lui parlait au nom des chrétiens. Les chrétiens contestataires. On a souvent rapproché Jacques Ellul de l'anarchisme. Donc il énonçait, il disait qu'il fallait être capable de vivre, alors je dirais pas en autarcie, mais en tout cas en autonomie. Ça veut dire quoi en autonomie? Ça veut dire des structures. Voilà, ça veut dire ne pas dépendre de l'État. Puisqu'à partir du moment qu'on dépend de l'État, on est un jouet d'État. On est obligé de se conformer à ses désirs et à ses passions. Mais à partir du moment où on développe une autonomie, eh ben finalement, on est capable de vivre selon, comment dire, ici, l'autonomie, hein, c'est pas l'autarcie, hein, ça veut dire quoi? C'est pas une sécession. Voilà, c'est pas une sécession. Hein. L'autonomie, c'est être capable de se prendre en main. Et justement, si on regarde les idéologies colonialistes, elles ont toutes été paternalistes. Qu'est-ce que c'est le paternalisme? Le paternalisme, c'est le fait de voir l'autre comme un enfant
et de dire moi je suis le père, bah, je lui prends la main, c'est à moi de l'éduquer, c'est à moi de lui montrer le bien, le mal, de le civiliser. Donc là, moi, c'est le contraire d'une attitude paternaliste, c'est être autonome. Non, je suis capable de me prendre en charge moi-même, donc je suis capable de subvenir à mes moyens, je suis capable de, etc., etc. Et si on développe cette autonomie, c'est déjà un très très grand pas en avant pour ceux qui désirent garder leur identité. Maintenant, rien n'oblige le musulman qui veut s'assimiler dans une pure logique coloniale telle qu'on l'a connue par exemple en Algérie, bah, qui s'assimile, il n'y a pas de problème. Mais celui qui ne veut pas s'assimiler, qui ne veut pas perdre, ou qui a choisi de vivre différemment, parce qu'on parle juste de liberté là, la liberté de choisir comment je veux vivre, comment je veux être. Et là-dessus, si je choisis de vivre comme ça, il faut que j'ai les moyens de vivre comme je souhaite. Parce que si je n'ai pas les moyens de vivre comme je souhaite, ben je suis obligé de vivre comme on veut que je vive. Elle est là, mon idée d'autonomie. Et d'ailleurs, Alain de Benoît a très bien mis en parallèle que la France, elle ne tolère pas que des groupes d'individus organisés s'autonomisent. Et ça a toujours été dans la tradition française. Est-ce que de son état unitaire. Le jacobinisme, la République une et indivisible, justement. C'est la République qui est une et indivisible, mais ça ne veut pas dire que la République, la Respublica, mais ça ne veut pas dire que les gens, le peuple, doit être un et unique et avoir les mêmes croyances, les mêmes idées. On voit bien l'idée totalitaire qui est derrière cette idée. Et la France, et comme je l'ai expliqué, la France, elle n'a pas hésité à détruire toute sa richesse culturelle, des régions, toutes ces langues régionales qui ont complètement été détruites. Donc, finalement, elle essaie de reproduire exactement le même système, le même processus pour les musulmans, parce qu'elle ne tolère pas l'idée de diversité. Ça n'a jamais été dans ses gènes. Pourquoi ? Parce que là, il faut revenir à la création de la République française par les révolutionnaires en 1789. Il faut revenir à leur idéologie pour comprendre pourquoi ils ont mis dans ce programme républicain la haine, il faut le dire, ce qui est de la différence. Ils peuvent nous dire, les politiciens aujourd'hui peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent sur la tolérance. Quand on connaît les origines de la République française, qu'on connaît son système, qu'on connaît ses fondamentaux, qu'on connaît son idéologie, eh bien, on sait très bien qu'en réalité, ça a toujours été un système qui fait de la différence un danger. Être différent, c'est dangereux. C'est un totalitarisme subtil qui ne dit pas sur l'eau. Et d'ailleurs, tous les totalitarismes du XXe siècle sont philosophiquement très proches des révolutionnaires de 1789, que ce soit les marxistes, le stalinisme, que ce soit même les ultranationalistes. Par exemple, si je prends le fascisme, l'idée de nation chez le fascisme et le nationalisme, c'est une idée qui est très proche avec celle des Jacobins de 1792, l'idée de nation. Ils en ont fait, une idole de substitution. Donc, tous ces mouvements totalitaristes du XXe siècle ont une dette importante, philosophiquement parlant, envers la révolution de 1789. C'est quelque chose qui est largement connu par beaucoup, beaucoup d'intellectuels et de philosophes. Bon, déjà, ceux qui veulent imposer le soi-disant le califat sont ultra minoritaires et ultra utopiques. Je ne sais pas s'ils ont intériorisé la provocation, parce que peut-être ils veulent être provocateurs, et après tout, c'est leur choix. J'ai envie de provoquer, et puis je surfe sur la provocation, la médiatisation, et puis voilà, c'est mon choix. D'ailleurs, en contradiction même avec la compréhension de ce que c'est l'islam, et notamment avec ce que j'avais toujours parlé de la science de la réalité, de l'ilm al-waqi'a. Avoir cette pertinence dans le déchiffrage de la réalité. Celui qui est capable d'adopter une telle posture ultra provocatrice, c'est quelqu'un qui ne sait même pas dans quel monde il vit. On a l'impression qu'il y a une règle qui dit que statuer sur un fait dépend de sa conception, et que si on conçoit mal, on statue forcément mal. Voilà, exactement. Mais là, en l'occurrence, ils ont complètement fait l'impasse sur la réalité dans laquelle on vit. Donc ça, je ne parle même pas de cela, parce qu'ils sont ultra minoritaires, et puis... ça sert à rien d'en parler. Ah oui, j'ai pas de programme, j'ai pas de solution, mon seul but c'était de faire en sorte que les musulmans, en fait, ce livre d'ailleurs, au début, c'était pas pour les musulmans que je l'avais écrit. C'est juste finalement au cours de l'écriture que j'ai
un petit peu mis de l'eau dans mon vin, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'il soit lisible et compréhensible par tout le monde. Mais finalement, moi, ce que je propose, c'est d'abord une chose fondamentale, c'est de comprendre les réalités. Parce qu'à partir du moment où on comprend les réalités, ensuite, on peut apporter des solutions. Si on ne comprend pas la réalité, si on ne comprend pas le problème, on ne peut pas apporter la solution au problème. Donc, comprenons le problème, d'abord, ça c'est l'étape. C'est sûr que la réalité, la solution, elle sera entre les deux. Entre une assimilation forcée et toutes ces aliénations, et entre, je dirais, une posture ultra radicale, provocatrice, qui ne sert à rien, juste à faire de la médiatisation. Donc, c'est sûr que la solution, pour l'instant, elle sera entre les deux. Mmh. C'est sûr et certain. Mais comment exactement, où, par quel procédé? Moi, j'ai apporté une idée, c'est l'idée de l'autonomie. Ouais. D'accord? Donc ça, il faudra travailler là-dessus, s'autonomiser de la pensée, tout en sachant que, je le dis, et ça c'est ma profonde conviction, que le musulman n'a pas vocation à demeurer éternellement, littéralement dans un pays qui n'est pas musulman. Donc ça, et ça je l'ai réexpliqué. Voilà, c'est, de toute façon on est passager de manière ontologique, c'est-à-dire que l'homme il est passager sur Terre, bon, ça, c'est clair et fondamental, mais où je voulais en venir c'était comprendre le pourquoi des musulmans en Occident de manière générale, c'est déjà de se retourner vers le passé, dans l'histoire de la civilisation musulmane, et de comprendre que si on est là aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est à cause d'une défaillance historique dans l'histoire. Parce que si la civilisation musulmane, si la civilisation islamique avait toujours gardé son niveau de force politique, économique, militaire, scientifique, culturelle, etc., etc., de manière générale, sa force civilisationnelle, il n'y aurait jamais eu une déportation massive de main-d'œuvre, parce qu'on est ce qu'on est, on n'est que de là. Nos parents, je parle, ceux qui sont nés ici, sont autre chose, mais nos parents, c'était que de la main-d'œuvre qui alimentait le progrès industriel, économique de la civilisation triomphante, qui est la civilisation occidentale, une civilisation post-chrétienne. Donc finalement, notre présence ici, refuser le diktat civilisationnel occidental, c'est promouvoir la civilisation islamique. Et promouvoir la civilisation islamique, c'est comprendre pourquoi à un moment donné dans son histoire, il a fait qu'il y a eu une défaillance qui fait qu'on nous, on s'est retrouvés ici. Et que finalement, si on veut construire la civilisation islamique, se prendre en compte cet état de fait et d'essayer de reconstruire cette civilisation en se disant de toute façon, nous, on est passagers ici. Même si, je ne sais pas moi, le passager, il peut durer 100 ans, 150 ans, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ça doit être inscrit dans les consciences. Et ça, c'est quelque chose aussi que le système dominant ne veut pas. Parce que le système occidental tend à devenir la gouvernance du monde entier. Donc finalement, pour lui, État musulman ou État non-musulman, cette distinction, elle ne veut plus rien dire. Donc c'est pour ça que, paradoxalement, ils veulent qu'on se sente, je dirais, fondamentalement chez nous ici, mais d'une manière aliénée. D'accord? Alors que je suis chez moi ici d'un point de vue citoyen, parce que je suis moi en France, je serais né en Belgique, je serais citoyen belge, je serais né en Angleterre, je serais citoyen anglais, etc., etc. Mais fondamentalement, comme j'ai choisi d'être musulman, je sais que dans le système le plus épanoui dans lequel je puisse vivre, c'est un système musulman. Donc voilà.